Ça, c'est le cadre de l'exposition que je suis allé voir quand j'ai eu ma carte blanche. Je m'appelle Yves Patrick, je suis arrivé sur Nantes en janvier 2023. J'avais un faible revenu, je savais que je pouvais prétendre à quelques programmes. J'ai découvert le système de carte blanche. Je me suis dit banco. Je me suis dit qu'en fait, ça me permettrait vraiment d'accéder à des lieux culturels, tout le patrimoine nantais, sans avoir à me préoccuper du budget que je pouvais mettre sur les accès aux musées, sur les accès aux concerts. Quand j'ai eu la carte blanche, mes premières sorties ont été l'exposition temporaire du musée de Nantes. C'était l'exposition sur l'Ain, une super exposition avec beaucoup de richesses. Et par rapport à mon quotidien, la carte blanche a permis d'obtenir un tarif réduit à deux associations, une association de percussion et une association de danse. La carte blanche m'a permis de rentrer dans des lieux, d'être entre guillemets quelqu'un de normal, même si j'avais un plus faible revenu, de ne pas me sentir isolé en fait. J'avais la possibilité, comme tout le monde, d'aller au musée, d'aller voir une pièce de théâtre. Ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi de me sentir vraiment nantais à proprement nantais. Là, il y a une matière pour une minute, je pense.